Écoutez Arnaud Montebourg, oui, c'est une boucherie, hein. C'est une boucherie en France, mais c'est une boucherie en Europe. On parle de quoi? Ben, de l'industrie, mais pas que, de l'économie en général. Mais c'est vrai que dans le domaine industriel, il y a quoi faire. Et les PME, la record de faillite, je vous dis pas, on a explosé toutes les boîtes qui tournaient pas trop mal, entre les écolos, les gauchistes, les Hidalgo et compagnie. On fracasse tout le monde, on tue tout le monde. Alors le comble, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est de voir des écolos, des gauchistes qui sont contre la voiture, hein, qui ne peuvent pas avoir la bagnole. Hein. Là où il y a des gauchistes, il y a des écolos haro sur l'automobile et sur l'automobiliste. Et là, ils vont défendre les mecs de Michelin qui perdent leurs emplois parce que l'industrie du pneu, par contre, est en train de couler. Évidemment, il y a une incohérence incroyable encore. Mais bon, je vous fais écouter Arnaud Montebourg et je trouve que c'est juste. Bon, son erreur, c'est d'avoir été à gauche. Mais sinon, il y a un raisonnement juste concernant l'entreprise. Moi-même, j'étais chef d'entreprise, je sais ce que c'est. Et de ce côté-là, bah, on est d'accord sur son constat. C'est-à-dire, vous créez une entreprise et vous avez en face de vous une armée administrative qui ne cherche qu'une chose, c'est à vous dézinguer, à vous détruire. Voilà. Nous sommes une colonie numérique des États-Unis. Google a 92% de parts de marché dans tous les pays d'Europe occidentale. Je rappelle qu'en Russie, en Chine, il n'y a pas Google. Parce qu'ils ont dit non, donc c'est possible. On nous a dit c'est pas possible. Si, c'est possible. Donc quand je vends du miel sur Internet, qui est mon patron? C'est pas mes clients. C'est l'algorithme de Google. Et il n'y a même pas un commissaire européen, même Margaret Vestager, qui s'est réveillé en disant « ça doit redescendre à 50% » pour laisser renaître un écosystème capable de, dans le cloud, dans l'intelligence artificielle, dans les données, dans tous ces secteurs-là, on est écrasé, l'Europe n'a rien fait. Donc dans l'industrie, qu'est-ce qui se passe? La même chose dans le numérique, c'est ce qui va se passer. Dans l'automobile, heureusement que Boeing est mauvaise. Pour qu'Airbus retrouve des couleurs. Mais sinon, regardez ce qui nous arrive. L'automobile allemande est en bas. Le gouvernement explose là-dessus. L'automobile française, j'ai déjeuné à midi avec des sous-traitants de l'automobile française. Les boîtes les plus saines, toutes les autres sont au tribunal de commerce, mais les boîtes les plus saines ont déjà plus de cash. Je vois le cash qui est en train de fondre. Donc on sait qu'on va perdre 40 000 emplois dans les mois qui viennent. Alors on va entendre parler de Valeo, de Michelin, ça c'est l'automobile, mais dessous, c'est une boucherie. On a un record de faillite devant les tribunaux de commerce. Électricité en est la première cause. Pourquoi? Ben parce qu'on a obéi aux règles stupides du marché européen que défend M. Lescure quand il était au gouvernement. Pourquoi on a les défendus? Mais parce qu'on a la religion de la loi européenne. Est-ce que vous savez que nous sommes obligés, nous, les origines France Garantie, de payer pour faire certifier que c'est français? Je préférais que ce soit les autres qui soient obligés de payer pour démontrer qu'ils ne sont pas français ou qu'ils aimeraient devenir français. Donc, on n'a pas le droit de le faire parce que la Commission européenne dit il y a des obstacles, c'est un obstacle au commerce qu'on mette des labels sur les produits. Non, mais... et donc, avec ça, méfiez-vous de nos amis européens parce que franchement, on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà mon point de vue. Bah oui, il a raison, il a tout à fait raison. L'Europe, bah oui, l'Europe, nous, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on découvre que l'Europe est un obstacle. Eux, ils faisaient partie des partis qui faisaient campagne pour l'Europe, justement. Donc là aussi, il y aurait besoin de cohérence. Et puis, à un moment donné, il faut que ces gens-là se positionnent pour ou contre l'Europe. Et là, on voit bien qu'on est dans une impasse avec l'Europe. Pourquoi? Parce que, comme l'avait dit Philippe de Villiers, ce sont les lobbies internationaux qui opèrent au niveau du Parlement européen et
une grande partie des parlementaires européens sont corrompus par ses propres, par ses mêmes lobbies. Donc du coup, la guerre, elle est foutue si vous dénoncez pas ça. Et donc, de toute façon, jusqu'à présent, on parlait dans le vide. Ça servait à rien de dénoncer tout cela. On avait l'impression qu'on pissait dans un violon quand on parlait de ces choses. Le français, il pige rien, il comprend rien. Là, je vous le dis à chaque fois, là, les gens qui travaillent dans l'automobile vont comprendre. Mais c'est trop tard. Mais ils vont comprendre que tout le secteur de l'automobile va être touché. Pourquoi ? Parce que à force de donner du crédit au lobby écologiste, à force de casser notre système qui fonctionnait relativement bien avec nos moteurs thermiques, eh bien, on aboutit à une situation où vous allez avoir 100 000 chômeurs rien que dans le secteur de l'automobile, avec tous les sous-traitants, avec tout ce qui va avec. On a une catastrophe industrielle qui va arriver. On n'avait plus que l'automobile en France. En fait, en France, il reste l'automobile et l'aéronautique. L'aéronautique, il reste ça. Mais ça, ils vont s'arranger pour casser l'aéronautique, comme dit Montebourg. Bah oui, il n'y a pas de raison. Nous, on adore casser. Parce que tous ceux qui s'amusent à casser l'outil industriel, eux, sont fonctionnaires. Eux, ça tombe tous les mois, la paye. Et c'est des grosses payes qu'ils ont. Donc, eux, il n'y a pas de problème. Eux, la vie continue pour eux. Pour ça qu'ils votent toujours à gauche. Pour ça qu'à Paris, ils votent à gauche. Et c'est pour ça qu'ils font 8 milliards de dettes à Paris. Ils en ont rien à foutre. Pour eux, c'est l'argent magique, ça tombe du ciel. Mais l'industrie, ils sont en train de la squeezer. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un karma dans ce genre de choses. C'est quoi le karma ? Ben, c'est qu'un jour, les gens qui n'ont pas compris ne touchent plus leur paye. Que les retraités qui n'ont pas compris ne touchent plus leur retraite. Qui comprennent que notre économie, c'est comme les vases communicants. Si vous avez le privé qui ne fonctionne plus, eh bien, on ne paye plus les retraités, on ne paye plus les fonctionnaires, on ne paye plus tous les assistés de la terre qui sont là à bouffer sur le dos de ceux qui bossent, et il en reste très peu qui bossent. Donc là, on va se retrouver tout le monde au chômage, et vous allez voir qu'une société où il n'y a plus d'industrie, où il n'y a plus de privé, où il n'y a plus de recettes, ben, ça va être super écolo, tout le monde va rester à la maison avec sa PlayStation à crever la dalle. Voilà ce qui vous attend. Ben oui, les Français n'ont pas compris, ils n'ont pas compris l'économie. J'ai toujours vu ça, que les Français n'y comprenaient rien. Alors, ben, là, on va avoir l'addition qui arrive bientôt. Bienvenue dans le monde des bisounours écolos qui vont, comme en Espagne, hein. En Espagne, c'est la même chose. Il y a des inondations, mais les écolos ont fabriqué cette catastrophe naturelle en supprimant toute une série de barrages qu'il y avait sur le fleuve qui alimentait justement cet endroit, ces Valence, où il y a eu des inondations. Pourquoi ? Parce que là aussi, il faut retrouver le dossier, mais il y avait des lobbies écolos qui ont voulu absolument détruire les barrages, qui constituaient des retenues d'eau successives pour éviter justement qu'il y ait cette catastrophe qui a eu lieu. De toute façon, là où vont les écolos, c'est la catastrophe. J'avais fait une fois une vidéo sur le Sri Lanka, c'est pareil. Ils crèvent de la dalle, ils ne voulaient plus du tout de traitement du riz, tout ça. Maintenant, il n'y a plus de traitement, mais il n'y a plus rien à bouffer non plus, vous voyez. Donc, c'est ça les écolos, c'est tu crèves la dalle, tu tues ton industrie, et une fois que tout est foutu en l'air, c'est l'anarchie, ça devient le tiers-monde, et là, les écolos en question, bah, soit le peuple révolté les zigouille, ou soit ils partent à l'étranger, foutent leur merde d'ailleurs, parce que ils sont itinérants, les écolos, hein. Une fois qu'ils ont foutu leur merde quelque part, ils vont ailleurs. Alors là, ils sont en train de quitter les villes pour foutre leur merde dans les campagnes. Ce qui fait que là, dans les campagnes, c'est pareil. Ça devient une catastrophe parce que, à cause des mesures écolos, on ne peut plus creuser, on ne peut plus faire des tranchées, je veux dire, on ne peut plus creuser les fossés. Il y a des endroits pour la biodiversité, il ne faut plus rien tailler, il ne faut plus tailler les haies, tout ça. Enfin, ça devient l'horreur. Mais c'est les écolos, qu'est-ce que vous voulez? Les écolos, ils sont infiltrés partout. Ils ont pris des positions, comme c'est des fonctionnaires, ils ont fait des concours, c'est des bêtes à concours, et ils obtiennent tous les postes à responsabilité dans plein de ministères. Donc on est coincé avec ces gens-là. Tant qu'on ne fera pas la purge de ces parasites, on sera coincé. Mais ça, il faut que le français, dans son logiciel rouillé, il faut qu'il comprenne. C'est le problème, c'est le sujet en tous les cas.
Ça ne sert à rien en politique d'avoir trop tôt raison, parce qu'on prend du temps. Et d'ailleurs, c'est comme dans l'entreprise. Si vous mettez un produit que personne ne comprend sur le marché, vous faites faillite. Ben, en politique, j'ai fait faillite.